Ah oui, Kellan. Bah ouais, je le dis toujours. Non, c'est infâme. C'est infâme. En fait, pour mon... On le fait plus tard, Astel. Pour mon amour propre, je dois reset, là. C'est vraiment pour mon amour propre. Perdre 8 ans et demi pour aller chercher 5000 runes, je peux pas garder ça. Il y a des choses. Il y a des choses qu'on peut pas accepter. Il y a des choses on veut pas qu'il y ait de preuves, tu vois. Il donne un souvenir à Stell, ouais. C'est All Remembrance, même à Stell. Radahn sur 20 où ça passe aujourd'hui? Ben, je l'ai fait qu'une fois, mais j'ai changé mon approche sur Radahn. Je le fais un peu différemment. Mieux, j'invoque Alex en fait. J'invoque Alex comme ça, même si je peux pas trop taper Radahn parce qu'il fait le con. Il le tape un peu, en fait il fait pas de dégâts, mais au moins il maintient la poise. C'était une optique obscure. Non, non, il est bien obligatoire. Si, si, il la regarde tout entier. En accéléré, mais il le regarde. Putain, merde, j'ai appuyé avant. Oh! Oh, quel enfer! T'as le droit aux invoques? Ouais, t'as le droit. Salut Créator! Je pense que Forza, ça dépend qui vérifie. Genre, si c'est Kata qui vérifie, je pense qu'il aura la curiosité de se dire, ah tiens, comment il fait Astel, lui? Genre, vu qu'il run cette catégorie, il y a le côté curiosité. Du coup, ça dépend qui vérifie en fait. Je pense. Merde. Non, le but c'est pas de récupérer toutes les runes. Le but c'est de récupérer tous les souvenirs. C'est une précision parce que la liste des boss qui ont des runes et ceux qui ont des souvenirs, la liste est différente. Astel ne donne pas de runes par exemple. Mais il donne un souvenir. Salut Lauriane. Courage. Et merci Kaiser pour le cinquième mois. Merci pour le Prime et le message. Merci beaucoup. Oh là là,
merde, j'ai perdu des secondes sur le début là. Terrible. Bon là je suis pas à deux mains, j'ai encore oublié de passer mon katana tout à l'heure donc Les double TP instant du cerf, ouais y'a plein de trucs j'ai pas envie de me souvenir non plus. Regarde Ironieux, le fameux skip dont je te parlais hier là. Ah, tu l'as appris, c'est bon. Ah, il y avait Chaffee cette fois? Non, on bute le chevalier pour serment doré. Pour récupérer serment doré. Il y avait Chaffee, d'accord, ok, nice. Ouais, la plupart du temps, c'est vrai qu'on voit pas trop le loot, mais... Trop lisse là, c'est bon. Des boss sur lesquels Golden Vow est indispensable. Alors. Merde, pourquoi je peux pas me TP? Pourquoi je peux plus me TP? Hein? Non, c'est pas obligatoire de descendre de ton cheval. Sauf que pour le ramasser, t'es obligé d'avoir ton cheval complètement immobile. Sinon, la touche pour ramasser, elle est grisée. Du coup, en termes de temps, c'est vrai que j'ai pas timé. Mais moi, j'ai l'impression que ça a l'air similaire. Sauf que... En plus, t'as vraiment la mobilité d'une vache avec, avec Torrent. Donc, à tout moment, tu rates le truc, quoi. Tu vois. Genre, si t'as besoin de te replacer, bonjour, tu vois. Oui, Ironieux, en fait, il y en a, il y a des... Je me souviens plus. Mais genre... C'est pourquoi, genre, t'as envie de supprimer Golden Vow. Je pense que tu supprimes Golden Vow. Peut-être c'est indispensable sur le duo. Sanctuaire, je sais pas. Faut voir. Ça peut être très chiant, je pense, sur Placidusax. De pas l'avoir. Sur Loretta, c'est bien de l'avoir aussi. Enfin,
Bah, je veux dire, tu peux faire Placie sans aucun buff, mais faire Placie sans Golden Vow, ça. Enfin, vu le temps qu'on met à récupérer Golden Vow, tu perds déjà toute l'avance. Enfin, tu perds déjà tout ce que tu as gagné à pas le récupérer sur Placie. Le menuing t'impressionne? Ouais, c'est une question d'habitude après. Parce qu'au bout d'un moment, tu connais par cœur et t'as plus besoin de voir ce qui se passe dans ton inventaire. Juste, tu fais. Ouais, tu sais ce que t'as à faire, quoi. Ah, tu survis pas à la lightning en plus. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Salut Morphonine. Après, genre, bah du coup, t'as pas Golden Vow sur Elden Beast? Est-ce que c'est chiant? Je pense que ça va. Bah, je sais pas en fait, faut les tester, mais je pense que Golden Vow, à la limite, bon, tu rajoutes des coups à la fin. Un coup à la fin. Mais faudrait tester parce que peut-être qu'en fait tu rajoutes plus de coups que ça à la fin. S'il faut rajouter plus d'un CR2, c'est mort. Hein. Elden Beast. C'est déjà pas rentable du coup. Mais en vrai, je pense pas. Parce que de toute façon, en any% glitchless, on montait pas aussi haut en force et on avait que Golden Vow. Donc juste avec flamme renforce-moi, ça devrait suffire à la limite. Sauf qu'il dure moins longtemps. Ouais, du coup, je sais pas, ça se teste, hein. Après, pour Nial, ça peut être casse-couille aussi. Dans Nial, du coup, tu tapes la fin de son fight. Faut voir, hein. Mais moi, pour moi, je supprime pas Golden Vow, en tout cas. Je pense que la question, elle est vite répondue, jeune entrepreneur. Ça doit pas être rentable, tu veux dire. Je pense que t'as oublié un mot qui change complètement ta phrase, mais oui, je. Je vois, je vois. Ah oui, c'est rentable de le garder, oui. Red Main plus FGMS. C'est vrai que c'est long à récupérer tout ça. Mais bon, sur une RNG très bonne, quoi. En vrai, tu fais Red Main plus FGMS. Genre, tu le skip. Ouais, tu run en current patch. Let's go. Ouais, non, t'as les crouch qui sont nerfs. Non, ça reste de la merde. Red Main, tu l'utilises pas? Genre attends, tu fais Loretta, par exemple. Attends, mais Red Main, attends. Loretta, Placidusax, Morgoth, les gargouilles, Astel.
Sur Loretta, tu l'utilises pas? Ouais, prends tes cachets, ouais. Fais donc ça. Merde, c'est là-bas. Admain, c'est la flamme des lions rouges. C'est la cendre de guerre qui jette des flammes pour stun très vite. Celle que je t'ai dit sur les gargouilles, ouais. C'est ça. Exactement. Sur Nial aussi. Nial sans Red Main, bonjour. Ben. Encore Morgoth sans Red Main, je trouve que Morgoth, on le connaît tellement par cœur à cause du NI% glitchless que ça se fait très bien sans Red Main, mais c'est juste beaucoup plus lent en fait parce que tu peux pas skip la P2. Tu pourrais, mais en réévaluant complètement tout ton leveling juste pour Morgoth quoi. Merde, j'ai oublié de. Ok, j'ai oublié mon arc. Très bien. C'est très efficace, hein. Effectivement. Mais honnêtement, on tellement fait déni pour cent glitchless que Morgoth sans Red Main, ça me fait peur. Ça me fait pas peur du tout. Mais les gargouilles. Ouais. Quand même. Même Nial. Alors cette cendre, elle a été nerf en 1.08, donc dans la current patch. Mais elle reste efficace si tu la poses sur une arme qui est montée. Si ton arme est à plus 0, ça sera pas très efficace. Par contre, si tu augmentes ton arme, ça va marcher, ouais. Non mais ça marche quand même, faut juste que tu le mettes pas sur une arme random, quoi. Ben honnêtement, si notre arme, on pouvait mettre une cendre de guerre dessus, ça serait pas si dérangeant que ça d'avoir Red Main dessus. Parce qu'on se sert du Weapon Art, certes, mais on pourrait très bien faire sans. On se sert du Weapon Art de la Track Viper, mais on pourrait très bien faire sans. Sans problème. Donc l'avoir sur la Track Viper, ça aurait pas été si dérangeant. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis mort. Mais pas du tout, c'est un nouveau setup en fait. J'ai fait nimp. Vas-y, grab direct parce que j'ai tellement un bon setup là.
Bon, je te l'expliquerai si tu veux le setup. Il y a un repère, hein, évidemment. Pas quelque part, mais je t'expliquerai en MP avec un screenshot, etc. Juste envoie-moi un message sur Discord et je t'expliquerai. On l'appellera le Forza Skip. C'est Forza qui l'a trouvé, ce skip, ce setup. Juste envoie-moi sur Discord, sinon j'y penserai jamais. Ok, ça marche. Quel génie ce Forza, n'est-ce pas? Salut Vaigourou. Des skips ou des astuces pour améliorer le run? Sûrement, mais je sais qu'est-ce que j'ai trouvé moi. Bah, faut que je regarde sur mon CV. Oui, bah typiquement le setup manette du Lendl Skip, ça c'est moi. Quoi d'autre? Je sais pas, c'est le premier qui me voit à l'aise. Bah typiquement le noble comme je viens de le faire pour éviter d'avoir un front stab dans les escaliers, ça aussi c'est moi. Même si maintenant j'ai prévu de le changer, mais je sais plus, j'ai pas en tête les machins, mais oui, de toute façon tout le monde trouve un peu des trucs. Chacun y met de sa personne, quoi. Typiquement, Loretta avec Red Main aussi, c'est pareil, c'est... C'était moi aussi, celui-là. J'ai pris la méthode Forza et j'ai modifié. Mais après, souvent, c'est des trucs... C'est pas complètement une personne, c'est souvent t'as quelqu'un qui va trouver quelque chose et après t'as quelqu'un qui va partir de cette base et modifier le truc pour le rendre mieux, tu vois, par exemple. Parce que je peux dire Loretta c'est moi, c'est vrai, mais en vrai c'est... merde. La vérité c'est plutôt la Loretta de Forza que j'ai adaptée
avec Redmayne par exemple, tu vois. C'est en fait c'est comme la méthode sur comment dire sur Malikette. C'est un truc qu'avait trouvé Chemist que Forza a modifié, tu vois. C'est très fréquent qu'il y ait que ce soit pas une personne qui a trouvé un truc complet, tu vois. C'est souvent il y a quelqu'un qui trouve quelque chose, après t'as quelqu'un qui l'améliore ou quelqu'un qui apporte des nouvelles idées. C'est vraiment un truc c'est vraiment un petit peu tout le monde peut mettre un petit peu de son idée, quoi. Parce qu'en soi, c'est pareil. Je dis que le noble sanctuaire, c'est moi. Sauf qu'à la base, j'avais pris l'ancienne méthode de Forza, qui à la base avait pris la méthode de Chris. Bah, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment... Il y a un petit peu de tout le monde dans tout, quoi. C'est un peu comme le téléphone arabe. Oui, sauf que là, ça s'affine au fur et à mesure du temps. Contrairement au téléphone arabe où ça se dégrade. Mais ouais, c'est ça l'idée, quoi. Oh merde, le pire pattern. Ça marche, des bisous, Disduck. À bientôt. Mon bon Disduck. Nimp, ça a marché. Ok, nickel. Il a fallu un coup supplémentaire pour le stun là. Chelou. Heureusement que je m'y attendais un peu. Sinon j'aurais bien été surpris. Ah bah vas-y. Ok, donc t'as pas envie de consommer là. Ok, d'accord. N'hésite pas, hein, j'en ai besoin en fait. Hein. Bon, note pour moi-même, si je perds mes runes sur les gargouilles, j'en ai rien à carrer. Mais tu sais, on utilise flamme renforce-moi en étant full force. Hein.
petit PB ce soir. Bah, j'espère. Hein. J'espère, j'espère. Un petit 2h04 là. Ou un 2h03. En vrai, si je gardais 8 de foi, il y a un item qui t'augmente ta foi. On a perdu 6 secondes sur le skip. Top 1 ou rien. Que de 5? Ben en fait, tu actives la rune de Godric et c'est bon. Ouais, voilà, tu vois, ironieux. On dit la même chose, voilà. Toujours possible, 1.08. Je crois que je l'avais testé. Ouais, il me semble que oui. J'avais testé quelques skips. Il me semble que j'avais testé celui-là avec... Mais y a pas... Il est où mon pote? Il est où? Quoi? Mec! Attendez, mais pourquoi j'ai pas mon pote... Alex, il est où? Ils l'ont changé de place ou quoi? Attends, mais... Mais non, c'est pas possible. Mais où il est? Mais je comprends pas. J'ai perdu Alex. Pourquoi j'ai pas Alex? C'est quoi cette dinguerie encore? Il est censé être là, Alex. Alex, il est où? Faudra que je tire ça au clair parce que c'est bizarre, hein. Salut Feufou. Non mais on est d'accord qu'il n'y avait pas Alex nulle part en fait, il y avait Alex nulle part. Putain, je me fais une strat basée sur, sur Alex. Et il est AFK ce con. Dans mes saves il est tout le temps là hein. Salut Flabien.
Joyeux radin à moi, merci. Salut Amzil. Non mais il est à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Non mais parce que pourquoi moi quand je le lance en training, il est quelque part et en run il est ailleurs. Aïe. Au lieu d'apprendre le boss correctement. D'importance capitale. Vas-y. Dis-moi tout. Pour lancer le Elden Ring, ouais, c'est ça. Non, mais je comprends pas, hein. J'avais pas Alex, quoi. Mais surtout, je comprends pas pourquoi je l'ai dans mon training, en fait. Pourquoi en run, il est pas là? C'est une idée de merde. Run sans training en ayant le crâne qui va exploser, c'est une idée de merde. Ça ressemble bien à une idée de merde, ouais. Est-ce que c'est suffisant pour t'empêcher de le faire? Je sais pas. Oh merde, trop tôt ça. Après, tu peux avoir des surprises. Forza, il avait World Record une nuit où il avait dormi seul. Enfin, un jour où il avait dormi que 4 heures la nuit, tu vois. Moins tu dors, plus t'es fort, et voilà. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, je le remets, en fait. Un de mes quatre pandas, j'avais très mal au crâne lors de sa création épique. Putain. Allez là. Vous l'avez vu le flamme cancel là? Vous l'avez vu, hein? Ça arrive souvent? Bah, chaque fois que j'y arrive, quoi. Souvent, non. Ça arrive quand même. J'en cancel en général au moins un dans chaque run. Bah, si je les allume tous, il y en a au moins un ou deux qui sont cancel en général. T'as une Neltil? Putain, flammeau, ouais. Oh putain. J'obtiens le mot beau.
Ah, si tu cancelles une flamme, c'est complètement rentable. Ouais. Oh, j'ai pris 0 dégâts. Ça arrive. Je me prends toujours un petit dégât au moins, minimum. La plupart du temps, je m'en prends beaucoup. Là, j'ai rien pris. Incroyable. Thou must have, though I have no intrigue. Wilt thou? I am the wit that I might want. Well, I saw her to aid. But I require. I anticipate. I see. Yes. I don't know what since I asked. I reside here. Oh, you've defeated Grand again, the Carian Rai. Donne combien de stats en ravagisme? Putain. Viens, on dit qu'on fait pas nimp sur ce skip là.
not blood. Even in my it is in thy my thanks soon must ah. En feu fou pour 100 et monsieur nu dans le leaderboard. Est-ce que j'ai tout? Salut Cholotte. Ah Nirvana c'est goldé hein. Mon déménagement de demain, j'ai rien commencé. Ah ouais. Laisserait temps non. Mais t'as... Si t'as rien commencé c'est que... Tu dois pas avoir grand chose à déménager, non? T'habites dans un meublé? Nirvana il meurt à la fin. Et il spoil. Il est chiant cet endroit. Putain. Tellement casse-couille de quit out. I do. Bon, je prends pas ce site de grâce, hein. Qui prend ce site de grâce en 2022? Franchement. Et là, bim, la fourmi. One shot. Bon. Merci. Des fois, je le prends. Là, depuis quelques temps, je le prends plus. J'ai plus de café. J'ai plus de café. Les rails font 70 heures. Est-ce que c'est du slow run? Je sais pas. En tout cas, est-ce que c'est du speed run? Non. La caméra, merci.
T'es bien là? Putain. C'est pas gentil de dire ça, tu sous-entends que je n'apprécie pas le jeu. Sache que ma première partie, je l'ai terminée en 130 heures. Alors qui c'est qui rush, toi ou moi? Bon, mes premiers runs, je prends mon temps de ouf. Je prends vraiment mon temps, quoi. Oh, le setup! Oh, allez, là! Là, c'est le moment où je pourrais mettre un objet lourd sur ma touche espace. Et je pars faire un café. Hein. Avec une petite macro pour me soigner tous les temps de secondes. Pourquoi roll? Pour m'enduire de putréfaction. Comme ça, après, moi, je sors de la putréfaction. C'est la putréfaction qui est sur mon stuff, sur mes vêtements, qui s'active. Et quand t'as la putréfaction sur tes vêtements qui s'active, au lieu de l'avoir directement dans le marais, la putréfaction fait beaucoup moins mal, et donc j'ai besoin de me soigner seulement deux fois, au lieu de 5 ou 6 fois. Sachant que 5 ou 6 fois, j'ai pas les fioles nécessaires pour le faire. Et en plus, c'est lent. C'est amazing, ah il faut le savoir, ouais. Il faut le savoir. Bah, dès qu'un truc est trouvé, il est partagé, souvent sur speedrun.com ou quoi. J'ai dit, hein, c'est un travail de groupe, tout ça. Avec mes... ouais, mais en speedrun, c'est vrai qu'on n'a pas tout ça, quoi. Kaiser. Mais ouais, ça fait beaucoup moins mal, du coup. Le boss du fun. Le boss du fun. Boss du fun. Non, pas en P2 maintenant. Mec, mes buffs là.
Eh ben c'était un peu nul encore une fois. Putain, c'est jamais bien quoi. Salut Vanda. Ouais, c'était nul, ouais. J'étais pas mort. Ah mais ce qui compte, c'est pas le fait que je meure ou pas. Ce qui compte, c'est combien de temps je mets pour les tuer. C'est le chrono qui compte. Et là, c'était nul. Niveau temps, c'était vraiment pas bien. Oh, le best possible time, 2h tout pile. C'est beau. Oh. Bah oui, Kaiser, ça s'appelle le Sum of Best en fait. Tu regardes le Sum of Best en haut, le mien est à 1,5731. C'est la somme de tous mes meilleurs segments du speedrun. T'es où? T'es là. Oh, c'était pas mal. C'est de la triche? Bah non, parce que ça prend du temps d'aller les prendre quand même. Mais c'est vrai que c'est confortable avec eux. C'est beaucoup mieux qu'avec les loups, mais ça prend 20 secondes. Ça coûte 20 secondes. En vrai, si tu veux un run world record et tout ça, tu prends les loups, tu prends pas ça, je pense. Par contre, en 2022, c'est quoi? C'est peut-être le temps que je vais perdre sur le Lendl Skip ici? Mais non, c'est first try, je rigole. Dude!
Rezagor. Des trucs comme ça au niveau plateforme et je chatte tellement. C'est important aussi d'avoir un peu de chance. Bon, petit gold frais là. Merde, j'ai oublié ça. Son meilleur ronron d'encouragement, let's go. C'était bien ça, je crois. C'était pas mal, hein. Oh putain, je suis en combat par contre, ça c'est moins bien. Ah, il y avait Chaffee encore. Quel feignasse ce Chaffee. Marc, tant mieux. Il vaut mieux qu'il soit feignasse et qu'il dorme. Comme ça, vous avez une récompense qui sert à quelque chose, quoi. Il sert à pas me faire tuer par par l'assassin des couteaux noirs qui est juste à côté. C'était pas mal, c'était pas le meilleur Morgoth, mais c'était ok. Hein. J'ai pas le droit de me plaindre.
Non, je lance plus de couteau, moi. Je remplaçais les couteaux par une croix de chérin. Avant le dernier CR2. Je trouve ça mieux. Je préfère, en tout cas. Allow me, you are unprevented a thorn, a husk, the only way, and become my pup. So I'd like to the flame then, and guide you. Je préfère garder mes couteaux pour, tu vois, pour les boss ou quand t'as pas de couteau, c'est la sauce. Non, mais il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Genre... Ah putain. Le petit saut sur place là. Hop. Ah putain. Quel enfer. Est-ce que vous arrivez à passer des échafaudages avec une chauve-souris blanche qui chante? Bah oui, qui ne sait pas faire ça. Ah non, mais pardon, c'est une vraie question, je croyais que c'était du troll. Oui, je vois de quoi tu parles, pardon. Tu parles de... Non, non, d'un vrai truc dans le jeu. Je pensais que c'était une question troll et... Je t'ai répondu troll, du coup. Ah, le streamer, quoi. Je les ai passés dans ma partie découverte. Après, je t'avoue, dans le speedrun, on passe pas par là. Cette condescendance, bah non, pas du tout. C'était pour rentrer dans le même délire, mais sauf qu'en fait, c'était pas un délire, quoi. C'est une vraie question. Mais non. La pastille, le seul truc qui change, c'est que il y a beaucoup plus d'emplacements d'emotes. Un truc des stocks. Moi, je les faisais avec des doubles lames. J'ai fait le jeu en... Une partie du jeu avec les griffes et l'autre partie en double lame. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche ça. Ouais, ok, c'était mauvais. J'ai plus que 11 couteaux. C'est la sauce? Le saut, ouais, je l'ai raté, le saut. Normalement, je repars tout de suite avec l'arc, mais... J'étais un peu trop tardif sur mon arc. On a un bon début là, dit-il au bout d'une heure de run. Putain. C'est terrible, mais. C'est un bon début en vrai. Plus que 11 couteaux. Oui, bah c'est ce que je vais finir par prendre à la fin, 11. Mais en fait, j'étais traumatisé par une fois, j'avais plus de couteau sur pour Mog. Et ça m'a traumatisé. Du coup, j'en achète un peu plus maintenant. Je consacre une seconde.
Parce que perdre un run sur Mok parce que t'as plus de couteau, ça fait chier. Hein. Ça fait vraiment chier. T'as une nouvelle strat sur Mog? Ah bon? Oh la merde. C'est... plus dur le machin? C'est plus long. Déjà. Non, je trouve d'une manière générale que quand même... c'est peut-être un peu plus difficile sur Elden Ring parce que sur DSR... En fait, c'est différent. Sur Elden Ring, t'as un peu de difficulté quand même dans les boss, etc. Là où les boss sont pas vraiment une grosse difficulté sur DS1. Sur DS1, la difficulté, c'est surtout le parcours. En fait, c'est rare de mourir sur un boss... Bon, si on enlève Ornstein et Smo, c'est rare de mourir sur un boss dans Dark Souls 1. En speedrun. Par contre, c'est pas rare de perdre trop de temps sur un boss. Donc quand même, il y a une difficulté dans le sens où faut réussir à faire les boss vite. Ça, c'est un peu moins facile, mais c'est rare de mourir dessus. Là où dans Elden Ring, quand même, je trouve qu'on meurt un peu plus souvent sur les boss que dans Dark Souls 1. Je parle en speedrun, hein, toujours. Par contre, il y a une grosse différence, c'est que Dark Souls, c'est beaucoup plus intense, dans le sens où là, il y a des moments à vide, comme là, je suis en train de courir sur mon cheval, bon, ça va, tu vois. Alors que t'as pas ça dans Dark Souls, t'es tout le temps en train de faire un truc. Salut Golgoth. Bah, jusqu'ici, beaucoup mieux qu'hier, Golgoth. Ah merde, j'ai chargé mon attaque. C'est pas la peine de charger l'attaque sur lui. C'est vrai. Tu peux faire une attaque R2 classique, ça marche, ça le one-shot quand même. Ah, t'allais me le dire? Bah le pire c'est que je le sais, donc c'est encore pire quoi. Putain. C'est encore pire de le faire alors que je le sais. Qu'est-ce qu'il me faut là? Ça, ça. Eh oh, vas-y, accélère toi. En vrai, je pourrais quit out ici, mais ça me fait chier de rajouter un quit out. C'est bon quoi, il y en a assez. On a bien assez des quit out. Ouais, ouais, il est très cool le jeu, Arcandria. C'est vrai qu'il est quand même bien. Il manque... pour les parties casu, moi j'aurais bien aimé un peu de retracing, j'avoue. Après, un truc qu'on aurait complètement désactivé pour les speedruns, mais bon. Histoire que le jeu tourne à 20 FPS, ça aurait été rigolo.
Non mais en vrai, tu rajoutes juste du ray tracing et du DLSS pour le coup. Tu rajoutes pas l'un sans l'autre, sinon bon bah voilà. Et on est bon. Parce qu'en casu, je suis très admiratif dans les jeux vidéo. Quand je joue casu, je prends mon temps, des fois je m'arrête, j'admire, tu vois. Je me régale. Je vais ingérer des nutriments. Ça marche. Merci pour le good luck. Peut-être à toutes si tu reviens. Bah oui, mais l'ADA, mais les graphismes, du coup, ça fait partie de l'ADA, en fait. C'est indissociable. Ah oui, j'étais... Ah, j'ai gagné 50 secondes ici, parce que j'étais mort sur le putain de géant, d'ailleurs. Ah oui, j'avais 50 secondes gratos ici. Putain, c'est vrai. Bah, ce que je veux dire, c'est que... Tu peux faire une bonne DA avec des graphismes pourris, mais les graphismes sont quand même liés à la DA. Allez. Ok, donc on enlève... quartier du temple. Ouais, là par contre c'était cool. Là par contre, ouais, c'était bien. Pourquoi tu lock pas le boss? Parce que j'essaye de mettre un headshot pendant que je fais une R2 chargée. Ça fait plus de dégâts. Qu'est-ce qui me manque? Ça? J'ai pas eu droit à mon gros mob.
Non, putain. Putain, je me suis... Mais va te faire en... C'est pas possible. Ah, c'est mort là, c'est mort, voilà, putain. Pff, mais quel jeu de con, pourquoi je m'en... Bah non, mais c'est injuste, putain, c'est vraiment injuste. Ta gueule, le loup. Allez, une 25 dans la gueule, putain. Bon, le run est loin d'être mort, mais ça fait chier, putain, ça fait chier, ça fait chier. Debussy vient me donner de la force. Ah, quel enfer. Mais quel enfer. En plus, j'étais en train de préparer le quit out pour justement qu'il se passe pas ça, quoi. Ça, en fait, ça sert à rien. Ça non plus. Voilà. Et comme ça.
plus, le bouclier sert à rien ici. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Le bouclier que je devais mettre ici. C'est ça. Est-ce que la musique m'aide? Bah c'est... Oui, moi j'aime bien avoir de la musique quand je run. Ou c'est juste parce que j'aime bien, c'est pas que ça m'aide ou que ça... Juste j'aime bien. Puis dans les moments un peu nuls où on fait que courir, comme ici par exemple, où il se passe pas grand chose, c'est quand même bien un petit peu de musique. Allez, un Morgoth pas chiant, pitié. Route du manoir, celle de l'école, ok. Oui. Non. Donc, route du manoir, salle de l'école. Ouais, bon, ok. Ça, je peux l'enlever. Ah, mais Mog, il peut être chiant. Si, si, j'ai tout ce qu'il faut pour tuer Mog, mais il peut être chiant. Très bien, Mog. Bon, c'était un peu de la merde, malheureusement. Dommage. Mais bon, ça va, c'est pas horrible. C'est un peu de la merde quand même, hein. En fait, la première partie du fight était bien, mais à la fin, il a été très chiant. Il aurait suffi qu'il fasse pas la douche. Et là, c'était gagné, quoi. Mais le fait qu'il ait fait la douche, c'est ça ralentit considérablement le fight. No need, you bitch. Exactement. Allez, un bon caribou, s'il vous plaît, j'en ai jamais des bons. Ils sont tout le temps cursed. Un bon caribou, de grâce. Il est parti manger à Ironieux.
Rebaby Sayoun. Oh! Mec, t'es pas sérieux là? T'es pas sérieux, putain! Vraiment! Ça tape dans le vide, ça tape dans le vide! Non, mais... Putain, il sait healer! Il sait healer, ce bâtard, là! Oh là là, j'en ai plein le cul. Non, vraiment? J'en ai... Putain. Oh, c'est tellement de la merde. Je suis passé d'un super run à un run qui pue la chiasse. C'est terrible. Ouais, tu peux toujours PB, faire un PB nul à chier, voilà. Putain, c'est chiant. Sur un mec qui me one-shot parce que j'ai pas pu quit out. Et sur un caribou qui veut pas crever parce que c'est full RNG. Let's go. Quelle catégorie. Un petit WoW retail. Retail en plus, tu nous sors. Ouais, Chocodose, des fois, selon ce que je dis, ça peut être particulier. Être un vieux con. J'ai rien compris, il y a trop de trucs à l'écran, trop d'infos, foutez-moi la paix. Hein? Mais vas-y! T'es où? Salut Cradopo.
Ah, je veux bien perdre sur des boss parce que j'ai mal joué ou quoi, mais... Là, c'est du vol, en fait, quoi. C'est juste du vol. Ah, c'est injuste quand même, hein, le speedrun. Hein. Il y a ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment injuste. Non, c'est pas de la merde. Le speedrun... Bah après, si tu penses vraiment que le speedrun, c'est de la merde, il faut t'arrêter tout de suite, Fofou. Parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Je te le dis. C'est la vie que j'ai choisi de mener, absolument. Alors, on va se soigner. Oh, et salut Nardine! Incroyable, un Nardine qui pop. Sans viewer, je suis le roi du pétrole. Ouais. Qu'est-ce que je cherche? Ça, ça... Ah merde, c'est vrai qu'on devait quit... On devait descendre de cheval plus tôt. On avait dit qu'on descendait de cheval plus tôt et on testait pour voir si ça... Ouais, si on apparaissait plus loin du coup. Alors, on enlève salle de l'école. À la place, on met... Je sais même plus ce qu'on met, si... Champ enneigé et cabane. On s'équipe en conséquence, donc on enlève ça. On va passer au seul cucri qui me reste. Fini les journées stream choc à pic. Hein? Oui, cabane. Et salut Tirtor! Ah là là, c'est vraiment dommage. On passe de 3 minutes 30 d'avance à 1:30, 1:27 quoi.
Mais bon, qui sait, peut-être que Kaiser verra enfin Malenia. En run. Tu en es où dans le classement du speedrun? Tu poses vraiment la question? C'est... Putain. Putain. Allez, on se focus sur ce passage. Passage. Hop. Parce qu'il peut être mortel. Ce passage. Ce passage, il est run killer. Si je meurs ici, c'est fin de run. Ce qui est assez fou en soi, mais. Pourtant, ouais. Jeune sub. Bon. Godric in tout géant de feu. Hein. Les boss se suivent, ça ressemble pas du tout. Allez, c'est gratuit ça. Alors, 5 à gauche, 1 en bas. Oh le gold. Mais attends, Vaiguru, dis-moi Vaï, tu as relancé Retail, ça veut dire que t'as acheté Dragonflight? Ou juste à relancer Retail comme ça? Non, ouais, ok, ok. Bah oui, en fait je me demandais où est-ce que t'étais passé. Vous voyez plus nulle part. Ah pardon, t'es là, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis marrant. C'est une de mes qualités. Il y a aucun monde où je prends le site de grâce. Hein. Parce que si je meurs sur le géant, de toute façon, on va dire que c'est une fin de run. Donc,
Il y a aucun monde où je prends le site de grâce du géant. Galdra pour Dragonflight? Putain. Ah ouais? Vraiment? C'est possible ça? Ok. J'aurai pas le stun du coup. Bah c'est de la merde, voilà. C'est de la merde. Je reconnais ça. C'est de la chiasse. Ah, je sais reconnaître de la chiasse quand j'en vois. Quel jeu incroyable, pourquoi ? C'est pas du hasard hein, s'il est pas passé en P2, c'est parce que ma deuxième aire de chargée n'a pas touché le point faible. Pas une question d'RNG ça. Juste viser comme un sac. Ah c'est la première fois que tu vois ce boss, pardon. Oui c'est un boss unique ouais. Ça marche Zagor. A bientôt. Simple. Est-il simple? Non, il... En speedrun, il est simple. Mais en casu, il est chiant. Bonjour monsieur Spartan. Allez, on va essayer de pas se faire tuer par lui, de grâce. Il y en a deux mobs comme ça qui peuvent troller ici. Il y a lui et un autre qui est beaucoup plus loin. Ça y est, le petit Chopin est là, effectivement.
Oh le lag ici, oh là là. Quel enfer. Gold du coup. C'est le jeu pour le lag, ça lag toujours au même endroit en fait. Systématiquement. Si j'avais un marteau. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Cabane on enlève. Trône des grands morts. C'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Putain, ce bug il est chiant là. Parce qu'en fait je prends les dégâts de chute de mon premier jump, mais je les prends sur le deuxième jump. Très très chiant. Bon là c'est bon cette fois. Oh là là, quelle angoisse. Salut Envy. Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Tu chilles un peu avant d'aller, enregistrer. Nice. Grand cloître, hop. Est-ce que j'ai... Je crois que j'ai du temps à gagner sur Astel.
beaucoup. Beaucoup. Alors, hop, on se prépare comme ça, on met les dagues de lancer. J'ai tout équipé, c'est très bien, on va fabriquer ça en même temps. Allez. J'aurais dû l'éviter. Putain, c'est vrai qu'il recule, ce con. Il recule, ce con. Bon bah voilà, le temps à gagner sur Astel, c'est mort. Je vous ai dit, ce run, il pue la merde depuis un moment déjà, maintenant. Non, mais là c'est mort, j'ai un run de merde depuis le début. C'est mort, c'est mort. Champ enneigé? Non, ça je garde. On peut faire un PB, mais ça va être nul à chier, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Salut Hopi. Bah, ce qui est dommage, c'est d'avoir perdu 2 minutes sans avoir fait d'erreur, quoi. Juste parce que. Juste parce que le jeu m'a chié dans les bottes. Là, sur Astel, c'est parce que j'ai mal joué. Mais les 2 minutes d'avant perdues, là, c'est full random, c'est vraiment dégueulasse. Trois minutes à... Non, sur Malenia, j'avais goldé sur Malenia dans mon PB. J'avais fait une Malenia incroyable. Toi, t'es plus sur le même PB, en fait, du coup, Envy. T'es sur un autre, là. Sur l'ancien.
3 CR2, ça veut dire que je mets combien de... de flammes? J'en mets 3, je crois. Ok. Au moins une bonne RNG sur ça, quoi. Ah, I knew you. What is it to deny like the dog? I am the they call yet you. Salut Coco Lastico, t'arrives à point nommé? Bah t'arrives sur un run qui est pas ouf, hein. Ne te laisse pas impressionner par le temps vert, c'est de la chiasse. Parce qu'à partir de maintenant... à partir de maintenant et jusqu'à la fin du run, je vais faire que perdre du temps. J'ai eu une fin de run vraiment insane dans mon PB. J'aurais pu avoir beaucoup plus, j'aurais pu avoir le double si je m'étais pas fait chier dessus par le... Même plus du double si je m'étais pas fait chier dessus par le jeu. Mais là je vais faire que perdre du temps jusqu'à la fin là. Merde, merde, merde. Je suis trompé de bouton. En fait dans mon PB, c'était mal barré. Du coup j'ai joué full risque. En prenant le plus de risques possible, en éliminant tous les trucs safe. Et c'est passé. Du coup, j'ai une fin de run trop solide et ça va être dur de gagner du temps dessus, quoi. Idéalement, il faut juste s'arranger pour pas en perdre, tu vois. C'est terrible. Non, je me buffais avant. Champ enneigé consacré, du coup. Oui, on peut faire un PB, mais... bon. Ce sera pas aussi bien que ce que j'espérais, quoi. Que ce que ça aurait pu être. Turbo beau gosse. qu'est-ce qu'on fait ici? On enlève ça, on rajoute ça. Et on rajoute ça. Ok. Cassez-vous les loups. J'ai fait un détour là. Hop là, merci Torrent, hop. On peut gagner du temps, sur un petit peu de temps, sur le Ordina Skip, si j'arrive à faire first try, deuxième. Je mets pas trop de temps là-dessus, parce que je peux perdre toute mon avance sur ça, vraiment tout. Alors, hop. Ce skip de la mort là.
Bon. Ça y est. Je l'avais first try dans mon PB, je crois, ou deuxième try, un truc comme ça. Mais j'étais pas mort. Ça change tout. C'est-à-dire que là, je perds un temps infini. Mes runes sont en bas, là ? Hein ? Quoi ? Je pense qu'on va reset ici. Elles sont où, mes runes, là ? Elles sont là ? Y'a rien à voir, en fait. Pourquoi elles sont là ? Putain, mais vraiment ? Ouais, rip, hein. Rip. Ça, j'aurais pu le tanker si je m'étais pas fait voler sur l'invocation de Chias dans la neige, là. Ça marche, Tartan, des bisous. Putain, quel jeu de merde. Ah, quel jeu de merde. Bon, on va prendre full risque. Hein. Je vais pas prendre le site de grâce ici. Là maintenant, si je meurs, c'est sûr que je PB pas, donc... Donc on y va. Ah, j'ai du temps à gagner ici. Ah, attendez, j'ai du temps à gagner sur ce split, je crois, non ? J'étais mort ici. J'étais mort sur les bulles en face. Non, bah non, j'étais pas mort, sinon j'aurais dû faire le Ordina skip. Ouais, non, laissez tomber, j'étais pas mort ici. Pas du tout. C'était le run précédent, ça. Hein ? Cesse de jouer avec nos sentiments. Non, non, mais là, de toute façon, je peux faire que perdre du temps jusqu'à la fin. Je le sais, donc... Cassez-vous. Regardez le best possible time. C'est moins bien que mon PB, donc... Mais non, mais... Attends. Quoi ? Ah non, mais 2-6-29. Ok. J'ai rien dit. Oh merde, je suis tombé, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas tomber. Bon, c'est pas grave. Oh, le jeu qui plante, let's go, incroyable. Bon, faut que j'attende que le jeu revienne, du coup, sur OBS. Voilà, c'est bon. Oh là là, quelle angoisse. Mais je vais atterrir où, moi ?
Ici, ça va. Ici, ça va. Un petit goal d'une seconde, ça fait plaisir. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ouais, je sais pas si c'est bien beau. Après c'est Malenia, donc j'ai pas besoin de mon item du cul. Donc j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de ça. Ah, il me semble que je m'étais un peu perdu dans la capitale. On peut gagner un peu de temps dans la capitale, je crois. C'était ici que je trouvais plus cet endroit-là. Bon après faut pas que je meure là, parce que si je meurs je suis bien avant Loretta là. Sans avoir activé l'ascenseur. Autant vous dire que... Non mais ta mère, c'est pas ça que je veux faire. Trop tôt ça, ouais. Oh, je me suis fait toucher. Oula. Oula.
Mais vas-y là. Quelle angoisse. Elden Ring est plus dur que les Dark Souls. Bon, en speedrun, peut-être un petit peu. En partie normale, pas spécialement. Alors, 89. 25. Alors, est-ce que j'ai tout? J'ai tout. Ah, nice. J'ai raté mon début. Bon, ça va. J'ai rattrapé le coup. Mieux se placer. Ok, à bord du grand pont, on va enlever ça, on va enlever ça, on va rajouter ça. Bon. On s'en fout, t'es morte. Bah, il faut pas se faire troll par Malikette. Si, il y a un monde où ça pb, mais c'est dommage quoi. Je suis juste un peu déçu quoi. Salut la porte.
J'avais pas vu aussi leak. Ah, loin. Ok. Oui, parce qu'à partir du moment où un run est complètement mort, je le termine pas, ça sert à rien. Ouais, je suis... Même si on PB, je vais être déçu. C'est dommage. Non, non, c'est pas un trash mob du tout. Pas du tout. Il peut ruiner le run, hein. Sans problème. Hein. Vraiment, hein. Je troll pas. Hein. Il peut littéralement ruiner le run. C'est un run killer. Hein. Faut pas le sous-estimer du tout. Hein. Là, ça se passe bien. Ça s'est bien passé, d'accord. Et si jamais il backdash, il se soigne, il t'enchaîne. En fait, c'est juste c'est rip run. Hein. Faut surtout pas sous-estimer cet enfoiré. Très grosse erreur de le sous-estimer. Moins 0-0. Pourquoi je saute? Parce que c'est plus rapide. Salut Rock Dur. Déjà ? C'était un peu lent, c'était un peu de la merde. C'était un peu de la merde.
Bon, ça va être un PD. Ah putain, je suis jamais content de mes PB, c'est terrible. Bon, 2-6-47. Bon. Je suis un peu dégoûté quand. Putain. Sur du vol, quoi. Je PB sur du vol. Deux vols. Aïe aïe aïe. Quel enfer. Je m'en fous du top 3, je voulais juste faire un run où on me chie pas dessus, quoi. Bon, c'est un 2-6-46 alors, finalement. Je m'en fous du top 3, je veux un run où, à la fin, je me dis « Ah, c'était pas mal, tu vois. » Et là, je suis pas en train de me dire ça, en fait. Je suis en train de me dire « Putain, fais chier. » C'est ça, le truc. Apostille, salut. Au moins, Bad Forza après le reste. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on va quand même faire un tour sur les splits. On va regarder. Je peux faire genre 1000 fois mieux, en fait. Alors, déjà, on remarque que quand on regarde les splits, Radan, c'était de la merde. Radan, c'était de la merde parce que j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé le Alex. Comment ça, level 106 impossible en 2 heures de jeu? Bah si, j'aurais pu même être plus que ça, hein. J'ai renoncé à environ, je crois, 1 million de runes. Il me restait à peu près 1 million de runes. Je crois que je perds 500 000 sur Malikette parce que je me suicide. Et là, je devais en avoir 400 000 avant d'aller vers Elden Beast. Donc j'aurais pu le level up bien plus que ça. C'est juste que ça sert à rien. Donc Radan, c'était de la merde. Mimic Tyr, c'était... Voilà, ok. Loretta, Rani, tout ça, on s'en fout. Et Gargouille, c'était un peu de la merde, mais c'était mieux que la dernière fois. Root Grace, on s'en fout. J'ai goldé sur les champions de FIA. Merci pour les GG. J'ai goldé les champions de FIA quand même, c'était cool. Les Lendel Skip First Try. Morgoth, c'était pas la meilleure RNG, mais ça reste ok. C'est quand même bien passé. Overgun, Nial, c'est bien passé. Ça marche, Kaiser. Écoute, je suis ravi, Kaiser, de t'avoir montré Malenia. Ça y est, tu l'as enfin eu. Slowfield Grace, évidemment. Là, je perds une minute, presque 1 minute 30. Un PB, c'est un personal best. C'est mon meilleur temps, en fait. 1 minute 30 sur un vol d'un quit out qui est... Hein, voilà, 1 minute 30 sur un vol, ça aurait fait 2,5,17 si je compte. Mog, et là je me suis fait voler 1 minute sur Ancestor Spirit. J'aurais pu faire 2,4 et quelques. Ça serait toujours top 4 hein, par contre. Fenala, Kersmark, Godric, Goldé. Fire Giant, c'était un peu nul. Sans les vols, j'avais 2,4 ici. Hein. Bird Skip, c'est un peu mal passé, mais c'était pas horrible. Astel, je suis mort sur Astel aussi. C'était de la merde, Astel. Putain, mais le 2-3, il est gratuit, en fait. Le 2-3, il est gratos, j'arrête pas de le dire. Hein. Ordina Skip. J'ai cherché mes runes partout. J'ai cherché mes runes partout. Loretta Goldé, bon, d'accord. Malenia, c'était pas si mal, hein. Parce que j'ai perdu que 7 secondes par rapport à mon gold. Parce que dans mon ancien PB, c'était un gold. J'ai perdu que 7 secondes par rapport à mon fight qui était super bien. Donc, ouais, non, le fight de Malenia était pas mal. Malikette habituel, Gideon, ça va. Waralu, un peu de la merde, mais... Ça, c'était ok. Radabist, j'ai eu la bonne RNG, donc ça va. Bon, bah écoutez, c'est bien, c'est bien. Bah c'est bien, c'est un peu de la merde, mais... c'est mieux que rien, quoi.